Je viens de maintenir une réunion avec mon collègue et ami Mohamed Sadiq, le ministre de l'Agriculture du Royaume du Maroc. Et on a parlé, bien sûr, de nos échanges commerciaux. Je crois qu'on a, du point de vue des importations et exportations des deux pays, un très bon rapport. Mais on espère, bien sûr, des deux côtés, augmenter ces échanges. C'est ce qui est signe du bon état de nos relations bilatérales, de la confiance mutuelle, ainsi que du travail conjoint que nous sommes en train de faire. Aussi, sur le plan institutionnel, entre nos deux ministères et nos deux gouvernements, je crois que ce matin, on le parlait dans la conférence internationale, dont le ministre m'avait invité, ainsi que cet honneur d'être invité d'honneur dans le SIAM. Et on parlait bien sûr de changement climatique, d'augmentation de température, d'eau. Et je crois que nous avons des défis communs et des réponses communes à donner à ces défis. Et je suis très confiant pour le futur. Je crois que la confiance mutuelle est très grande. C'est ce qui nous permet de travailler d'un côté et de l'autre, bien sûr, pour faire progresser. C'est quand les choses se passent bien en Espagne, c'est bon pour le Maroc. Quand les choses se passent bien au Maroc, c'est bon pour l'Espagne. Alors si les choses se passent bien au Maroc que l'Espagne, c'est bon pour nous tous. Le Royaume de l'Espagne est invité à l'honneur de cette 16e édition du SIAM. C'est d'abord le témoignage de notre forte et très solide relation entre les deux pays dans tous les domaines. Nous avons une histoire commune, nous avons le partage de toute la culture méditerranéenne dont nous sommes les premiers porteurs. Et évidemment, dans le secteur agricole, nous avons les mêmes défis. Nous avons une relation très forte, excellente, comme m'a dit Monsieur le Ministre. Ce qui touche l'agriculture marocaine touche l'agriculture espagnole. Ce qui touche les agriculteurs marocains touche les agriculteurs espagnols. Nous sommes deux pays ouest de la Méditerranée. Nous avons des défis, mais nous avons des potentialités énormes également qui ne sont pas ailleurs. Et puis nous avons des populations d'agriculteurs qui sont innovants, aussi bien en Espagne qu'au Maroc, pour justement affronter tous ces changements et pour ne pas dire les chocs, parce que ce sont des chocs climatiques aujourd'hui que subit toute notre région, avec en particulier l'impact sur les ressources hydriques qui ne sont pas faciles à gérer. Et donc toute notre discussion c'était autour de renforcement de la coopération autour de ces thèmes, parce que la coopération elle est déjà forte, le partenariat est très important, mais aujourd'hui c'est inclure tous ces éléments du contexte et que nous devons affronter ensemble. Et comme a dit Monsieur le Ministre, c'est à travers l'innovation, la recherche, que nous allons résoudre cette équation de faire plus avec moins en termes de ressources. Et l'Espagne et le Maroc, ils ont un grand privilège pour conduire des recherches de premier plan ensemble.